Eh, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour voir du Paragon, putain de bordel de merde, du Paragon, vous vous rendez compte, on va jouer à Paragon, c'est incroyable Paragon, hein, Paragon, on dit encore Paragon. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, on va faire une rapide présentation et on lancera une game juste après. Paragon, c'était le concurrent direct à l'époque de Smite et de Gigantic, que beaucoup de personnes soit n'ont pas connu, soit ont ignoré, et c'est bien dommage, bref, on s'en fout. Paragon, c'était le MOBA d'Epic Games et un jour ça marchait pas bien, ils ont dit bon bah on va switcher, toutes les teams sont parties sur Fortnite et ils ont release tous les modèles du jeu. Résultat, eh bien on a eu plein de petites boîtes qui ont repris au fil des années hein, mais pas toutes directes, c'est à dire que là on parle quand même d'un jeu Paragon, je crois que ça a été il y a 3-4 ans que les serveurs en down, même bien plus je pense, et donc là, bah, pour le coup, on est sur l'Overprime, le Paragon Overprime, qui est la version la plus aboutie qui a eu lieu jusqu'ici, et la plus fidèle au jeu. Je vous fais très rapidement un topo, vraiment le MOBA, vu à la troisième personne, on va avoir des DPS, on va avoir des tanks, on va avoir des supports, où est-ce qu'il y a des supports, c'est pas Grux, Rampage, du tank, jungle, Chimera pour le... Je cherche Narbash, est-ce qu'il y a Narbash ou pas, je suis pas sûr qu'il y ait tous les persos pour le moment, s'il est là, espèce de con, voilà le genre de... La DA était incroyable, il faut bien se rendre compte que le jeu il a vraiment plusieurs années et que, eh bien, bah il était... et il l'est toujours, je trouve, correct. À l'époque, il était magnifique, et aujourd'hui, il est correct. Bref, on va jouer, on va tenter de prendre DPS, j'espère, où on va aller sur la mid lane. J'espère que ça proc tout de suite, comme sur la fin de la bêta, c'était incroyable. Oh yes! Yes, my man! Est-ce que ça va pas être trop cool? La réponse est oui, ça va être trop cool. Les gens ont dit non. Les gens ont dit non. Je suis déception, et ça a cassé tout mon groove. Ils ont envie de jouer. Bien évidemment, après, on retrouve hein, le standard, une solo lane, une mid lane, une duo lane, un jungle. On va pouvoir choisir un petit peu qu'est-ce qu'on veut comme lane au début. On va tag, là, maintenant. Ouais, en attente de joueurs, machin. Je vais choisir les rôles. Ça va permettre un petit peu de savoir qui fait quoi. Vite fait. Va solo. Voix duo. Voix duo. Vas-y, voix duo. C'est bon. Donc là, j'annonce, j'ai envie de DPS. Lui, il annonce, il est solo. Lui, il est jungle. Donc c'est vachement cool. C'est vachement cool, ça évite un peu les problèmes. On va jouer Murdoch. Murdoch que je connais un peu et que j'avais rejoué sur la bêta. Ce qui va me permettre de pas forcément trop chier dans la colle. Donc il y a quelques skins. Est-ce qu'on peut les voir? Non, il faut les acheter. Bon. Le gros intérêt de ce jeu, il faut se rendre compte que donc le concurrent principal qui était déjà là depuis plusieurs saisons, c'était Smite à l'époque. Smite, c'est plat. Et Paragon, en fait, il avait également une verticalité qui rendait le jeu vraiment très dynamique et très intéressant. Vous allez voir, il y a un système de dash, mais en fait d'activation de course, plutôt un peu comme dans certains jeux, ce serait une monture. Donc dès qu'on se fait toucher, on est désarçonné. Donc ça va amener une certaine manière de se déplacer d'une lane à l'autre. On a des buffs, je crois que c'est comme dans League of Legends, dès qu'on tue quelqu'un qui est buffé, on lui vole son buff. Tout ça, et ça charge super vite. J'ai l'impression, en tout cas, à l'époque c'était un enfer, hein. Le jeu était trop en avance sur son temps. Et let's go, shop, on va prendre ça, régénération de mana, non, puissance, vitesse d'attaque, non, y a pas un truc qui fait du drain de vie, c'est un peu les items de start, c'était bon, on va prendre ça, allez, hop, let's go, c'est la duo, elle est là, si je me cours pas, duo, ouais, voyez, c'est même là, on peut voir, alors mon attaque, c'est du fusil, et donc, là, j'active, il y a le rond vert, hop, et ça dash, j'active, rond vert, et ça dash. La touche contrôle permet de faire venir le menu qui va nous montrer justement les compétences. Alors je vais prendre... Ouverture, bombardement, c'est assez fort pour des pushs. Mais la cible... on va prendre le tir percutant, qui est un coup de fusil à pompe, qui va permettre de faire reculer les adversaires pour éviter les ganks. Alors quand on arrive de la jungle, on arrive de zone comme ça, où on voit Kyod, et on voit pas les ennemis au travers, c'est trop bien. Il y a des bouches aussi, comme ici, comme dans League of Legends. Dès qu'on est bleu comme ça, on est bouché. Ça t'en bouche à quoi, hein? Ici, il y aura une espèce de crit bizarre de buff à prendre. Je sais pas trop ce qu'il fait, donc on verra. En vrai, je suis trop content de rejouer à ce jeu. J'ai l'impression, je regarde, est-ce que ça saccade un peu?
Ouais, c'est pas excessivement fluide pour vous. Pour moi, c'est bon, mais il faut que je regarde s'il n'y a pas moyen de... Hop, voilà. Sauvegarder les paramètres. Juste pour que ce soit méga fluide. Donc les creeps, quand ils vont devenir avec une barre de vie en rouge, je crois. On va attendre. Yes, ça veut dire qu'on les... Ouais, on prend la thune en les tuant. Et donc le but, ça va être de prendre à fond la thune. On n'a pas d'argent si on ne les lastite pas. Voilà, je suis en train de chercher le terme. Toi, tu vas reculer, bâtard. Attention à Sevarog, le mec qui est en face, c'est un tank qui a une forte mobilité et qui contrôle de ouf. On va tirer un peu dessus, on va le faire reculer. Hop, coup de fusil, j'en avais parlé. On va prendre la roquette. Ah, ça y est, Twin Blast. Twin Blast qui va être le DPS en face. Ferme ta gueule. Ah, le bâtard m'a touché avec sa grenade. Oh putain! Alors clairement, si vous voulez voir du paragon, vous me le demandez, je le ferai avec plaisir. J'ai vraiment très envie d'axer cette nouvelle chaîne sur pas mal de paragons. Donc tant que ça va me faire plaisir, hein, c'est surtout ça. J'utilise ma potion. Donc ce sera avec plaisir. Frazizir, eh. Hop. On va partir sur du drain de vie en first item, je pense. Donc une blast, prends-toi ça. Albatar, vas-y. Je sais plus si c'est Varog qui régène ou pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'est fait bodyblock. Ah, la TP, ok. Attention derrière toi, qu'il n'y ait pas quelqu'un. Ils vont te dash in, non? Non, pas du tout. Elle va pas mourir, toi? Elle a back ou pas? Non, elle a pas back, ok. Elle est en confiance. Je la sens pas. Hein. Alors, on va lui faire la roquette. Oh, je l'avais presque. Et c'est moi qui meurs. Et c'est moi qui meurs parce qu'elle a... Elle a sniffé de la cocaïne alors qu'elle devait m'aider. Vol de vie, fais voir. Les objets. Vol de vie. Il a pas envie de me les... Ah, c'est là qu'on fait. Putain, je suis con. C'est trop cher. Ok, bah, let's go. Où est mon argent? 500. J'ai presque 600 balles. Bon, 0-2. Ça commence pas très très bien. Hein. On avait dit qu'on allait carry la game. Eh bien, pas du tout. Pas du tout, bordel de fion, c'est pas grave, let's go. J'ai grid, hein. Ceci dit j'ai méga grid, ça me fera la bitoune. It will make my bitoune, hein, you understand? The skill can be enhanced. Ah yes, on a repris un point, ça c'est bien. Faut que je level up, on va prendre l'autre compétence, le bombardement, je vais vous montrer. Hop, je me mets en position de bombardement et zip, zip, zip. Alors, ça me prend de la mana à chaque fois, donc faut faire gaffe. Par contre, ça clean. Hein. Ça clean de ouf. Hop, on enlève. Ça m'a permis de récupérer beaucoup d'XP pour aller chercher la roquette. Ok, il a pris le truc en bas, lui. Hein. Non? Je sais pas trop. Je me mets en position de dash. Ah, elle y va. Attends, on attend ici. On va tenter le juke. Aucun intérêt. Qu'est-ce que je dis? Ah ah! Ok, laisse tomber. Allez, on prend de la moulaga. Par contre, ça manque de musique. Ah, je pense à me mettre des petites playlists épiques de combat. Hein. Level 4, ok. Non, mais là, me pique pas les astites. En fait, je sais plus trop comment on va faire de l'argent avec les sup. Ah, attention, ça arrive. Je sais pas s'il y a un ping ou quelque chose. Je sais plus comment VGS. Je sais qu'on peut faire des trucs. Mais on l'a vu. Ouais. Vous voyez, je l'ai hit pendant qu'elle dashait. Ça la snare. Oh, t'es mort. T'es mort, Ginel. Hop, tu dégages. Ah, le fusil. Oh, c'est raté. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh secours. Au secours. Ah putain, nul. Non seulement elle est morte, mais l'autre chez nous. Et en plus, on n'a rien pris, putain de merde. Chier. Est-ce que je peux avoir mon petit souple fort encore? Bon, ça va être la roquette, hein. On a bien vu que la roquette, c'était efficace. Pas du tout. Et là, on va faire... je voulais lui faire quelques tirs de mortier pour lui apprendre les bonnes manières. Merde.
Allez, boum dans ta gueule. Boum dans ta gueule. Ouah, 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 doucement, doucement les creeps. Calmez-vous. Alors, il y a un blink aussi. J'ai pris un item de départ qui me permettrait de blink. C'est quoi? C'est ça. Voilà, bah c'est fait. Ça reviendra dans 300 secondes. Bravo. Oh, et t'as quel con. Et t'as con. Hop, drain de vie. Alors, sens, vol de vie. C'est là. C'est pour du physique. Donc, c'est un système assez bateau de. On prend des items et dès qu'on en a plusieurs, ça coupe et ça fait un gros machin. Ça se transforme en grosse gag. Attends, mais ah ouais, si je laisse appuyer que j'ouvre le truc, ça court plus. Ok, il me faut une touche auto. Je pense qu'il y en a une. Faudra que je la bind. Mais dommage. On va passer par la jungle. Là, il y a du combat. Ok, chez nous, ça meurt. 1-5, ça se passe bien. C'est une belle game de découverte, hein. Se faire péter le cul, c'est cool. Tiens, ferme ta gueule. Ah, je la rate. Non, je la rate pas tout le temps, ok. Calme-toi. On a un peu de drain de vie, alors on va essayer de récupérer, là, en tapant les creeps. J'ai pas vu combien je récupère, pas beaucoup, hein. Oh la vache. Du 10 PV par hit. Bah, c'est toujours ça de prix, hein. On va pas cracher dans la soupe. Ah, le bâtard. Oh non, il y a Sevarok qui est derrière. Oh, je suis baisé. Vas-y, on dash. Est-ce qu'il est là? Ouais, il est là. Bon. Au secours. Je longe le mur et je ferme ma gueule. Est-ce que ça fait pas de... Alors, il y avait la possibilité de faire du drain de vie sur les compétences, comme on a vu. Il y avait physique ou compétences. Et il me semble que j'aurais pu faire du drain de vie sur... ça y est, j'ai mon ulti. Alors là, mon ulti, vous allez voir, c'est trop bien. J'aurais pu faire du drain de vie sur ma roquette en mettant sur les compétences. Je vais boire ma potion. Je sais plus ce que c'est, sa grosse main. Je crois que c'est un truc qui stack. Dès qu'il tue des ennemis avec. Et à un moment, ça va déglinguer. Mais non, Gisèle. Hop, on continue de booster la roquette. Le but, c'est de DPS avec. Oh, il y a quelqu'un qui est faible, là. Attendez, dès que je le revois pop sur la map... Je me prépare à ulti. Mon ulti, c'est un laser qui traverse toute la map en instant. Ça peut faire de très gros dégâts. Il faut bien observer ce qui se passe. Quoi. Là-bas. Non. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que là-bas, on essaye de prendre des objectifs, ce qui est plutôt une bonne chose. Hop, ok, sur Twin Blast. Ok, on a compris, monsieur. C'est Varog là-bas. Ah putain! Il va la buter! Ah, je le rate, j'étais trop loin. Oh, la nullité. Il a récupéré tellement de vie, le bâtard. Merde, attends, Twin Blast. Ah oui, mais là, mon ulti lui ferait pas assez de dégâts. On va back. Vas-y. On va pouvoir finir l'item. C'est celui-là. PV, 10% de réduction de recharge, puissance. Ok, go. Et après, il faudra qu'on aille sur de la vitesse d'attaque. Je pense que c'est une bonne idée. Pas vraiment. Hein. Je crois que lui, c'est plutôt un perso où il faut mettre des gros coups. Dans la gueule ou dans les couilles, tape là où tu veux, sauf que ça fait ouille. D'accord, monsieur, mais calmez-vous, voyez. Ah, faut que je surveille, putain, les barres de PV. Ah, là-bas. Il faudrait qu'il me le spot. Attends. Faudrait qu'on aille faire le creep sur le côté, alors. Un jeu qui nécessitait tellement de concentration. Je crois que c'est Varog, il change de gueule quand il se booste.
Ça, ça l'écarte un peu là. Je connais pas trop le mec avec le flingue, donc j'ai du mal à aider. Je vois qu'il s'est shield, c'est une bonne chose. Maintenant, ça se fait pas tout. Ils vont se retourner, ils vont me baiser. Voilà. Ah! Et bon, c'est passé. Le bâtard, il a le même genre de compétence de fion. Tu pues! Putain, faut que je back encore, mais chier. Il y a une blast qui est arrivée, j'ai bien fait de me casser. J'arrive pas, j'ai pas encore mis une belle. Une belle. Alors, attends. Dégâts. Ah, putain. Où sont les. Ah oui. Pénétration, vitesse d'attaque. Je vais partir sur un peu de vitesse quand même. Allez, on tente à de la vitesse. C'est pas ce qu'il faudrait avec lui, je le sais. Mais c'est pas grave. On va quand même le faire. En mode, de toute façon, perdu pour perdu. Mais vous avez pas perdu. Perdu pour perdu. C'est genre. Mais ta gueule. On n'a pas perdu, putain. 4-5, ça le fait. En plus, on a pris leur tour. Ils sont en train de prendre la nôtre, mais on a pris une des deux. Ça me désole un peu que tu sois là. Alors qu'il y avait un Sevarog en low life là. Oh le bâtard! Ça c'était l'ulti de Sevarog. Merci! Merci gros schlag! Hop, je sais plus donc ce que c'est. Énergie, machin, boost. Balek. Balek, frère. Oh, il y a du gang bang. Allez, bim! On l'a hit, il est presque dead. Butez-le, hein, il a plus rien. Oh, il regrette tellement de s'être rapproché. Voilà, il est mort. Et on commence à hit la tour un peu. Les tours, elles régènent pas et elles prennent pas mal de dégâts. On peut voir qu'il y a le nombre de creeps qui sont en dessous, qui est inscrit en dessous de la barre de vie, donc c'est plutôt cool. On sait à peu près quand est-ce qu'il faut qu'on se retire. Pas comme mon père. Hein. C'est très drôle ça, dites donc. C'est vrai. Dommage, c'est pas mon ulti. Ah peut-être, attends, pas du tout. Non, on est niveau quoi, on est niveau 8, donc on a pris un peu d'avance sur le Twin Blast adverse, donc c'est cool. J'ai 1200 balles, on va pouvoir back. Ouais. Ah non, il y a une creep lane, on va pas back, attendez. Attends, ah ils sont deux. Ils sont deux? Non, ils sont pas deux. Ça l'a des boîtes. Oh là, attends. Hop, on TP. Gisèle, ne grid pas. Bah voilà, tu pues la merde, tu grid, tu pues. Oh putain. Ah cool, je sais pas ce que c'est, mais c'est cool. Il va falloir qu'on fasse pas mal de recherches. Hein. On va essayer de développer un peu nos skills dans ce jeu, nos connaissances. Alors, si on est là-dessus, vers quoi on peut aller? Rien, j'ai l'impression. Ah si, comme ça. 30%. Ça ferait avec de la puissance. Ah, vas-y. Je peux pas. Je suis déjà... T'as acheté le truc? Yes, j'ai un espèce de pistolet à eau dans mon inventaire. Là. Est-ce que j'ai besoin de quelque chose? Ouais, là, il faudrait... Je prends ça. 800 de la puissance. Ouais, on va prendre ça. Donc là. Là, ça commence à... Là, ça commence à se mitrailler. Hein. Et ce qui est rigolo dans ce jeu, mine de rien, c'est ce côté... Vous avez des persos ultra futuristes comme ça avec des flingues et vous allez avoir des mecs qui leur cassent la gueule avec des haches ou des marteaux comme ce drogue. Et je trouve ça... Il y a un espèce de mix. Maintenant, ce qui m'intrigue, c'est que c'est bien de reprendre tous les modèles du jeu et de refaire un jeu déjà existant. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir amener du nouveau contenu, les mecs? Est-ce qu'ils vont créer des nouveaux persos, tout ça? Parce que c'est ce qui va être nécessaire à un moment pour se développer.
C'est pas terrible. Ça, c'est pas terrible. C'est pas vraiment ma push. On va push. Allez, on prend la tour. On prend la tour. Derrière nous. Oh le bat! Sérieux? Il a dash au moment du fusil, le bâtard. J'aurais pas, laisse tomber. On va aller chercher le farm plutôt. On va peut-être se faire une petite rotation des familles là. Pour aller choper des gens qui puent. Genre là-bas ça pue. Hop. Je crois que ce portail là nous TP. Sans no shit bro. De l'autre côté. Zip, parfait. Face à l'équivalent du Fire Giant, de Namor, je crois, ou Nemor. Comment il s'appelle le perso comme ça dans. Niveau combien hein il est plus haut niveau que moi, faut que je fasse gaffe. Dans League of Legends. Alors là, il y a l'autre connard, je le vois. Donc on va lui bourrer le plan. Il prend pas lourd de dégâts, il a pris de la def lui. Avec son flingue, il ressemble pas à l'inhib. Il va lui permettre d'avoir des crits plus puissants. Let's go. Il reste qu'un creep, on donne tout. Ça se bat derrière nous quoi. Ce n'était pas suffisant. Il est not very suffisante. Ah merde, il y a Windsor là qui arrive là, connard en robot. Voilà, il fait sa zone. On continue, il me faudrait de la PD pour lui. Les mecs? Ah oh, ils se sont barrés les enculés. J'essaye de dash. Oh je peux pas partir par là. Oh non. Ah bah DC. Qu'est-ce que c'est? Je peux pas TP non plus. Oh je suis baisé. Oh je me suis fait déglinguer. Oh putain. Juste parce qu'il y a un moment où je me suis retourné en mode je vais mourir les mecs, j'ai l'impression. Oui c'est vrai, vous allez mourir. Il ne va rien se passer de bon ici. De la peinée, ça peut être pas mal. Pénétration, lunettes, machin. Qu'est-ce que ça fait ça? Puissance, pénétration, 10% de RCD, augmente de 20% la vitesse de déplacement du héros, actif. Ah oui, c'est vrai qu'on peut activer les items, chose qui est complètement inexistant dans d'autres MOBA. Ça fait vachement cool, alors attends, qu'est-ce qu'ils font dans le mien? Passif, octroie accélération pendant une seconde lorsque une attaque de base inflige des dégâts à un ennemi. Ok, donc très bien. Et passif, toute attaque basique réduite. Ok, parfait. J'ai pas tout lu, j'ai pas le temps, clairement. On va aller à droite. On va aller dépush. Il y a du monde. C'est dommage, on peut voir sur la map la barre de vie de l'inhib au centre, il n'est pas du tout pété. Il faudrait que je retrouve comment ping et tout ça parce que... Allez, let's go de l'argent. Hein. Putain. En fait, il me faudrait du crit. Crit et peiné, ce serait bien pour terminer le build. Je sais pas s'il y a les deux sur un même item. J'imagine que. Ben non, pas du tout. Je suis en train de me dire que sur le crit, il y a du. Oui, du power, mais pas de la peiné, pas forcément. Allez, on push. On push parce que ça va permettre après de revenir sur la mid lane. D'accord monsieur. Oui, les skills peuvent être enhanced. Merci. Je veux pas vous contredire. J'ai trop peur que vous me pétiez la gueule. Alors ce que j'avais pu voir pendant la bêta, c'est qu'il y a un petit problème, je dirais, d'équilibrage. C'est que les games peuvent durer à partir du moment où on est à ce stade-là, parce qu'on n'arrive pas à avancer. En fait, on respawn trop vite.
Ouais, je pourrais pas. C'est dommage qu'ils aient pas pu push le mid en parallèle. Oh, je suis mort. Ah, dommage, 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 il a plus de vie, il pourra pas y retourner. Par contre, là, il devrait push le mid lane. C'était quoi sa puissance peiné. Non, je vais plutôt aller sur du coup critique finalement. J'aime bien l'idée de la surprise de grosse patate. Vitesse coup critique. Vitesse coup critique, vitesse d'attaque, non. Vitesse d'attaque, taux de critique, puissance, ok. Puissance, il y a de tout. Défense magique, taux de critique, puissance, dégâts critiques, affiche supérieur égal à 50%. Ok. 32 puissance, ça a l'air bien. Ils ont pris un inhib ? J'ai pas vu. Oui, ils l'ont pris, ouais. Non ? On est où ? Je crois qu'on a un AFK en fait, surtout. Hein. Chaque fois que je suis à la base, il y a la comtesse qui est là. Mais non, elle était derrière moi tout à l'heure. Je sais pas ce qu'elle fout, mais ça nous fait pas gagner. Ok, boost de puissance physique, c'est ce qu'il nous faut, plus de dégâts, pour péter dégâts, 8-14, ah oui ils sont en train de nous péter la gueule, qui c'est qui fait 8-1, donc le mec qu'on a buté je crois, 4-3 Ginette que je connais pas trop, okay. Witzer qui est pas très bien placé là le mec en face de moi, par contre je vais me rapprocher du mec qui tue tout le monde, ce qui me saoule. Allez go. Ah, j'ai du ralentissement maintenant. D'un côté j'ai un truc quand je tire, quand je hit, je suis pas slow. Et de l'autre j'ai du ralentissement. J'ai moyen d'être chiant. Allez go. Go on le prend. On le prend, on ignore. 4 creep, ok, 3 creep, ok c'est bon. Ça passe. Ça meurt ça. Ah, c'est très joli le truc, même aujourd'hui je trouve l'animation assez jolie. Eh alors on est vu la chier les mecs. Allez boum. Quelqu'un qui est en train de nous charcuter le fion ou quoi? Non. Ok attends, par contre moi j'ai plus de vie. Au secours. Au secours. Yes, alors ça c'est un inhib, s'il me frappe, je meurs. Je suis complètement hors cadre. Faut que je change la cam. Eh ben, c'est pas la gong, hein. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si dans les persos que vous avez vus, peut-être rapidement dans le menu au début, il y en a qui vous branchent de voir en game, en vidéo. N'hésitez pas à me le dire, c'est avec plaisir en tout cas que je continuerai du contenu Paragon. J'attendais vraiment la sortie de Warprime pour me lancer dans une folle contrée sur ce jeu à nouveau, avec grand plaisir, vu que j'avais adoré quand il existait. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis et on se retrouve dans les prochaines games. Allez, salut, ouais, ciao, ouais.